Donc, la poème de Flaubert, c'est une odyssée miniature dans un théâtre de machines qui raconte l'histoire de ce personnage-là, Monsieur Flaubert, qui, malgré les événements, heureux ou malheureux, est un marcheur infatigable face aux caprices du vent. Je brille. Ce spectacle, c'est une adaptation du livre éponyme d'Antonin Louchard, qui a été mis en scène par Samuel Muller. Créé pour la jeunesse, c'est proposer un temps où les parents et les enfants vont partager un imaginaire ensemble. Le vent se lève. Moi, je considère les enfants comme des chiffonniers. Les chiffonniers, c'est meubles aux 1000 tiroirs. Au début, ils sont vides. Et puis, on y place des valeurs, des émotions, et on remplit ces cases. J'aime porter au plateau le merveilleux. Et plus précisément, le merveilleux dans l'ordinaire. Donc, je travaille énormément avec des objets anciens que je collecte depuis des années et je leur redonne une vie. J'aime à dire que je pratique un art nostalgique, c'est-à-dire que je raconte des histoires au présent avec des objets du passé. Regardez ce que vous avez fait! C'est malin! Comment on va faire maintenant? C'est l'hiver! Ah, l'hiver! Mais Flaubert, il va attraper froid par la tête, un rhume de cerveau, l'angine, la pneumonie, la tuberculose. Oh! Oh oh! C'est Flaubert? Oui, c'est lui. Il se promène. Comme chaque jour. Je caresse la dune. J'enlace les rochers. Les humeurs de la lune me font plutôt marrer. Océan, Indien ou Pacifique. Mais faut pacifier, je ne suis pas inocile. Little fish, little fish.